changement que j'aimerais beaucoup voir dans la société, c'est le rapport avec ses émotions et surtout ses émotions plutôt négatives. On a tendance à être une société où on met en avant le fait de se sentir bien et où quand quelqu'un nous demande comment ça va, on va un petit peu instinctivement répondre que ça va bien. Et quelque chose que j'aimerais voir changer justement, c'est prendre le temps de réfléchir à comment on sent, mais aussi à réussir à le partager. Il y a un climat plus calme et plus serein. J'ai l'impression qu'on est dans une société où tout va vite et où tout prend très vite de l'ampleur tout le temps. Ce serait peut-être un changement de perception des physiques, que ce soit peut-être arrêter de juger les autres, mais aussi arrêter de se juger soi. Une vision plus large et plus globale sur les structures qui nous entourent et un moyen de déconstruire tout ça et d'accepter en fait simplement la différence. J'aspire à ce qu'on n'ait plus les gens dans des cases. Ce qui m'inquiète, c'est l'inertie par rapport au changement climatique. Ça me tracasse. On s'est rendu compte que souvent l'espace public, c'est un endroit par lequel on passe pour aller au travail, pour rentrer chez soi, mais ce n'est pas spécialement un endroit où on va s'arrêter. Or, ça pourrait être un moment justement où on vient réfléchir à comment on se sent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et donc, on a créé un module où les gens en fait, viennent utiliser le moyen de la peinture pour exprimer comment ils se sentent, ou elles se sentent. Et du coup, au moyen de quelques jets de peinture, venir tout simplement relâcher un petit peu leurs émotions. La cabine temporelle, on y entre et il y a un téléphone qui nous attend. De là, une petite voix nous dit et nous demande ce qu'on aimerait bien changer d'ici 10 ans. Et voilà, on arrive sur le répondeur et c'est à notre tour, on a une minute environ. La personne, à la fin de son message, on lui demandait de laisser son adresse mail. En fait, cette personne va réellement recevoir son message dans 10 ans. Et du coup, il y a ce côté très personnel et de voir en fait l'évolution. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Après le confinement, on s'est un peu tous rendu compte qu'on a souvent, en tout cas en tant que jeunes, été forts sur les réseaux et donc confrontés souvent à des images qui ne sont pas forcément représentatives de la réalité et qui étaient un peu trop parfaites à notre goût. Et donc, du coup, on a voulu vraiment s'interroger sur la notion de complexe et de défaut. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un système de cadre pour demander aux passants et aux passantes dans la rue de choisir une partie de leur visage qu'ils voulaient mettre en valeur. Corps d'or, c'est un projet qu'on a conçu parce qu'on a constaté une forme de sclérose dans les corps, en général dans l'espace public. On a voulu mettre le point sur le besoin de libérer le mouvement et donc libérer aussi la parole et l'expression artistique. On pensait que nos étudiants allaient surtout s'intéresser à des problématiques sociétales actuelles sur le changement, sur l'environnement. Et en fait, pas du tout. Donc ils se sont vraiment centrés sur un changement intérieur, sur eux-mêmes. Ça leur a permis d'explorer le changement et d'aller au contact des gens dans l'espace urbain pour les faire parler de changement et aussi rencontrer leurs propres aspirations.